Ich segne den Herrn für die Gegenwart von jedem Einzelnen hier. Je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Ich freue mich, im Haus des Herrn zu sein. Et je suis dans la joie d'être dans notre maison. Amen. Und ich freue mich, in unserem Haus. Dieu avait permis que j'aille à Kinshasa. Je suis de retour. Gott hat es erlaubt, dass ich nach Kinshasa reise. Ich bin wieder da. Je me réjouis de revoir encore toute cette grande famille. Und ich freue mich wirklich, die große Familie wieder zu sehen. Amen. Et je bénis Dieu pour mon père, le pasteur Alain. Und ich segne den Herrn für den Vater, für meinen Vater, Pastor Alain. Lui qui me pousse, qui me challenge. Er, der mich immer herausfordert, der mich immer antreibt. Au départ, c'était difficile. Am Anfang war es schwer. Mais maintenant, j'ai compris. Aber jetzt habe ich das verstanden. Que Dieu me prépare. Alléluia. Dass Gott mich vorbereitet. Que Dieu veut que je puisse grandir. Dass Gott möchte, dass ich wachse. Pour cela, ensemble, nous allons mettre nos mains pour honorer la grâce qui est au milieu de nous, qui est notre pasteur. Nous acclamons pour le Seigneur. Der Herr sei gepriesen. Nous voulons parler. Wir wollen sprechen. Mais je vois que le Saint-Esprit a changé l'atmosphère. Aber ich sehe, dass der Heilige Geist die Atmosphäre verändert hat. Savez-vous, le Saint-Esprit veut nous impacter cet après-midi. Wisst ihr, der Heilige Geist möchte uns heute Nachmittag berühren. La Bible dit que les brebis du Seigneur entendent sa voix. Die Bibel sagt, die Schafe des Herrn erkennen seine Ils Stimme. Connaissent la voix du Seigneur. Sie kennen die Stimme des Herrn. Elles suivent cette voix. Und sie folgen dieser Stimme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les brebis du Seigneur en ce lieu? Gibt es Schafe des Herrn hier an diesem Ort? Oui, nous allons prendre nos Bibles. Wir werden unsere Bibeln nehmen. Nous voulons lire. Wir wollen lesen. Nous allons tous nous mettre debout, si c'est possible. Wir werden gemeinsam aufstehen für die, die es können. En tout cas, par la grâce du Seigneur, on aimerait être court. Und wir wollen uns mit Gottes Gnade kurz fassen. Nous allons lire dans le livre de Jean 7. Und wir lesen in Johannes Kapitel 7. À partir de 37 jusqu'à 39. Die Verse 37 bis 39. Et à la suite, nous lirons aussi Jean 4, 7 à 11. Anschließend Johannes 4, 7 bis 11. Amen. Si nous avons trouvé quelqu'un pour nous aider pour la lecture. Wenn wir es gefunden haben, dann kann jemand uns mit der Lesung helfen. Jean 7, 37 à 39. Johannes Kapitel 7, Vers 39 bis 41. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Les derniers jours de la fête le plus solennel, Jésus s'éteint devant la foule et la lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devait recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Amen. Jean 4, 7 à 11. Johannes, Kapitel 4, Vers 7 bis 11. Samaritain lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais c'est lui qui boira de l'eau que j'ai
lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Wir können Platz nehmen. Nous bénissons Dieu pour ce thème qu'il nous a donné cette année-ci. Wir segnen den Herrn für das Thema, was er uns dieses Jahr gegeben hat. Il nous a dit que les forts soutiennent les faibles. Er hat uns gesagt, die Starken sollen die Schwachen unterstützen. Mais je me suis posé la question il y a deux jours de cela. Aber ich habe mir vor zwei Tagen folgende Frage gestellt. Mais c'est pourquoi tu nous demandes que ceux qui sont forts puissent soutenir les faibles. Aber Herr, wieso sagst du uns denn, dass die Starken die Schwachen unterstützen sollen? Mais comment nous devons le faire? Und wie sollen wir das tun? Mais qu'est-ce que les faibles doivent faire à leur tour pour soutenir ceux qui sont forts? Und was sollen die Schwachen tun, um vielleicht die Starken zu unterstützen? Alléluia. Que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Dass die stark sind, die Schwachen unterstützen. Mais nur ceux qui sont faibles. Und die schwach sind. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Was sollen sie tun? Alléluia. Parce que après avoir soutenu les faibles. Denn nachdem die Schwachen unterstützt wurden. Ça veut dire que eux aussi vont devenir forts. Das bedeutet, dass diese Schwachen dann auch stark werden. Alléluia. Dieu veut nous emmener quelque part. Jesus möchte uns irgendwo hinführen. Okay. Dans la dimension où Dieu veut emmener cette église. In der Dimension, in die Gott diese Gemeinde führen möchte. C'est une dimension où il doit avoir des assoiffés. Das ist eine Dimension, wo es Leute geben muss, die durstig sind. On ne peut jamais parler de la croissance spirituelle sans avoir la soif. Man kann nie von geistlichem Wachstum sprechen, ohne Durst zu haben. On ne peut pas parler de l'aide si toi-même au préalable tu n'as pas été fortifié. Man kann nicht von Hilfe sprechen, wenn du im Vorfeld nicht gestärkt wurdest. Alléluia. Parce que celui qui apporte de l'aide, denn die Person, die dir Hilfe gibt, certainement il est aussi passé dans des épreuves de difficulté. Ist eine Person, die wahrscheinlich auch Schwierigkeiten durchlebt hat. Et il est sorti de la vainqueur. Und sie ist dort als ein Sieger herausgekommen. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Die Bibel sagt uns Folgendes. Jésus s'éleva le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Il parle de quelle fête? Von welchem Fest geht es, um welchen Fest geht es da? Alléluia. Sommes-nous dans une fête maintenant? Befinden wir uns jetzt aktuell? Le temps nous manquera de parler de cette fête. Es fehlt uns heute die Zeit, um über das Fest zu sprechen. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu avait établi des fêtes. Denn im alten Bund hatte Gott gewisse Festtage. Et pendant que Jésus cite cette parole, und als Jesus dieses Wort sagte, il fait allusion, je crois, Lévitique 23, si je ne me trompe pas. Er hatte sich bezogen auf das dritte Buch Mose, Kapitel 23, wenn ich mich nicht irre. Où on parle de la fête des tentes. Da ging es um, je crois, Hütte oder das, so. Okay, das Hüttenfest, ja. Zelte. Zelte. Okay. Et durant cette période de la fête, und zu dieser Festzeit, le souverain sacrificateur, hat der hohe Priester, chaque jour il venait avec de l'eau, der ist jeden Tag gekommen mit Wasser, il versait dans cette piscine là, und hat in dieses Becken Wasser reingeschüttet. Et le dernier jour de la fête, und am letzten Tag des Festes, cette piscine était pleine. Dann war dieses Becken voll mit Wasser. Qui symbolisait la vie. Und das war dann ein Symbol für Leben. Et cette eau était aussi pour la purification des péchés. Und dieses Wasser diente zur Reinigung der Sünden. Souvenons-nous de cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Erinnern wir uns an den Mann, der an dem Becken von Bethesda war. L'ange venait. Dann kam der Engel. Il remuait l'eau. Und hat das et Wasser toutes bewegt. Les personnes qui tombaient dans l'eau. Und jede Person, die in das Wasser fiel. Recevait la guérison. Empfing die Heilung. Alléluia. Amen. De quoi as-tu soif? Wonach hast du Durst? Nous voulons parler de quoi as-tu soif? Wir wollen heute darüber sprechen, wonach hast du Durst? Il n'y a pas de croissance spirituelle sans la soif. Es gibt keinen geistlichen Wachstum ohne Durst. Jésus nous invite. Jesus lädt uns ein. Il crie. Er schreit. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Er ruft, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Jésus appelle qui? Wen ruft Jesus?
Alléluia. Amen. Jésus appelle qui? Wen ruft Jesus? Il dit celui qui a soif. Er sagt, der durstig ist, qu'il vienne à moi. Der soll zu mir kommen. Et qu'il boive. Und er soll trinken. Il y a trois catégories de personnes, si on peut dire comme ça. Es gibt drei Kategorien von Personen, wenn wir das so sagen können. Il y a ceux-là qui sont incroyants. Es gibt die ungläubig sind. Ils ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Sie kennen Jesus Christus noch nicht. Ils n'ont pas encore écouté l'évangile de Dieu. Sie haben das Evangelium des Herrn noch nicht gehört. Mais il y a ceux-là aussi. Und es gibt dann die, comme nous autres là. So wie wir. Nous avons connu le Christ. Wir haben Christus kennengelernt. Alléluia. Amen. Et il y a ceux-là aussi. Und dann gibt es noch die anderen. Qui sont dans le Seigneur, ça fait des années. Die seit Jahren im Herrn sind. Alléluia. Amen. Mais de quoi as-tu soif? Aber wonach bist du durstig? Car Jésus-Christ veut étancher notre soif. Denn Jesus Christus möchte unseren Durst stillen. Il nous lance une invitation. Und er lädt uns ein. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Er sagt, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est déjà élevé dans sa gloire? Ist Jesus schon in seiner Herrlichkeit angekommen? Qui a soif au milieu de nous? Wer von uns ist durstig hier? Ah, je vois seulement la sœur Prudence. Ich habe nur die Schwester Prudence gesehen. Car dans la dimension où nous voulons aller, denn in der Dimension, in die wir gehen möchten, Dieu n'attend pas des hommes et des femmes qui croisent les mains. Da erwartet Gott nicht Männer und Frauen, die ihre Hände verschränken werden. Mais il a besoin des hommes et des femmes qui ont soif. Aber er braucht Männer und Frauen, die durstig sind. Si tu n'as pas soif, wenn du nicht durstig bist, tu ne connaîtras pas le baptême du Saint-Esprit. Dann wirst du die Taufe des Heiligen Geistes nicht erfahren. Si tu n'as pas soif, wenn du nicht durstig bist, tu ne pourras pas parler en langue. Dann wirst du nicht in Zungen sprechen können. Alléluia. Si tu n'as pas soif, wenn du nicht durstig bist, tu ne pourras pas avoir des visions. Dann wirst du keine Vision bekommen. Car il dit cela est le partage de ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. Denn er sagt, das bekommen diejenigen, die an Jesus Christus geglaubt haben. Alléluia. De quoi as-tu soif? Wonach bist du durstig? Tu as soif de jus d'orange? Bist du durstig nach Orangensaft? De la bière? Nach Bier? Ah, c'est beau à voir, hein? Das sieht schön aus, nicht wahr? De quoi as-tu soif? Wonach hast du Durst? Jésus veut que en nous, comment je dirais, que les fleuves d'eau vive coulent en nous. Jesus möchte, dass die Quelle von lebendigem Wasser aus uns fließt. Mais comment serons-nous une source de bénédiction? Aber wie werden wir eine Quelle des Segens sein? Comment tu peux aider celui qui est faible? Wie kannst du demjenigen helfen, der schwach ist? Si tu n'as pas la soif de rencontrer le Saint-Esprit. Wenn du selbst nicht den Durst hast, dem Heiligen Geist zu begegnen. Est-ce que le jus d'orange ou bien la bière peut étancher ta soif? Kann der Orangensaft oder das Bier deinen Durst stillen? Oui, ce sont des aliments que nous avons besoin de foi. Ja, das sind Nahrungsmittel und Dinge, die wir brauchen. Mais la soif que Jésus-Christ parle, aber dieser Durst, von dem Jesus hier spricht, ce n'est pas la soif de ces choses-là. Da geht es nicht um den Durst nach diesen Dingen. Alléluia. La soif que Jésus-Christ parle, der Durst, von dem Jesus spricht, ce n'est pas seulement la soif d'eau. Ist nicht nur der Durst nach Wasser. Il dit celui qui a soif. Er sagt, der durstig ist, qu'il vienne à moi. Der soll zu mir kommen. Und er soll trinken. Tu ne peux pas expérimenter les dons du Saint-Esprit sans avoir au préalable rencontré Jésus-Christ. Du kannst nicht die Gaben des Heiligen Geistes erleben, ohne im Vorfeld Jesus Christus begegnet zu sein. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Verstehen wir, wovon ich spreche? De quoi as-tu soif? Wonach hast du Durst? Il n'y a pas de Saint-Esprit. Es gibt keinen Heiligen Geist. Sans Jésus-Christ. Ohne Jesus Christus. Il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Es gibt keine Macht des Heiligen Geistes ohne Jesus Christus. Jésus-Christ est la clé qui nous donne l'accès aux dons, aux grâces du Saint-Esprit. Jesus Christus ist der Schlüssel, der uns Zugang gibt. Bien, mais si je peux prêcher, je peux crier comme ça. Mein Leben, wenn ich predigen kann, wenn ich schreien kann.
C'est grâce à Jésus-Christ. Und es ist dank Jesus Christus. Il se sert de moi. Er benutzt mich. Et il me oint de son esprit. Und er salbt mich mit seinem Geist. Si je rentre peut-être il y a 12 ans, bien 12 ans en arrière. Wenn ich vielleicht 12 Jahre zurückgehe. Je ne pouvais pas prêcher la parole de Dieu. Da hätte ich das Wort Gottes nicht predigen können. Mon pasteur est témoin. Mein Pastor ist Zeuge. Je disais moi. Ich sagte ich. Faites tout ce que vous pouvez faire, prier, chanter. Ihr könnt machen, was ihr wollt, beten. Laissez tout ce qui est arranger les bons. Und ihr könnt all das, was ihr da macht, machen. Sortir les instruments. Die Instrumente rausholen, die Bänke aufräumen. Ça, c'est mon travail. Das ist meine Aufgabe. Das je ne sais pas prêcher. Ich kann nicht predigen. Je ne sais pas parler. Ich kann nicht sprechen. Alléluia. Mais petit à petit. Aber Stück für Stück. Jour après jour. Tag für Tag. Année après année. Jahr für Jahr. Avec cette petite soif là. Mit diesem kleinen Durst. Je dis, Seigneur, aide-moi. Habe ich gesagt, Herr, hilf mir. Seigneur, je veux boire. Ich möchte, Seigneur, je veux grandir. Ich möchte wachsen. Il y a eu des moments où je suis tombé. Es gab Momente, wo ich gefallen bin. Il y a eu des moments où je n'ai pas compris certaines choses. Es gab Momente, wo ich Dinge nicht verstanden habe. Mais à cause de une certaine soif. Aber wegen einem gewissen Durst. Le Seigneur m'aide à grandir. Hilft der Herr mir zu wachsen. Qui peut soutenir celui qui est faible? Wer kann denjenigen unterstützen, der schwach ist? Qu'est-ce que tu peux donner à la personne qui est faible? Was kannst du der Person geben, die schwach ist? Si tu es seulement rempli d'eau, wenn du nur von Wasser erfüllt bist, de la bière ou bien du jus, von Bier oder von Saft, ou bien si tu es rempli seulement d'aller faire des shopping, oder wenn du auch nur shoppen gehst, qu'est-ce que tu vas donner à cette personne qui est faible? Was wirst du dann dieser Person geben, die schwach ist? Alléluia. Nous voyons à des gens qui souffrent de la dépression. Wir sehen, es gibt Menschen, die unter Depressionen leiden. Est-ce qu'une personne qui souffre de la dépression a besoin de vêtements? Braucht eine Person, die depressiv ist, Klamotten? Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne qui est malade a besoin seulement de vêtements? Braucht eine Person, die krank ist, nur Klamotten? Est-ce qu'une personne qui a des problèmes spirituels a besoin de boire seulement l'eau? Möchte eine Person, die geistliche Probleme hat, nur Wasser trinken? Alléluia. De quoi as-tu soif? Wonach hast du Durst? Tu veux opérer dans des dimensions élevées. Du möchtest in hohen Dimensionen wirksam sein. Tu veux écouter Dieu. Du möchtest Gott hören. Comment tu écoutes Dieu? Wie hörst du Gott? Doreen, comment Dieu te parle? Doreen, wie spricht Gott zu dir? Comment Dieu te parle? Unterschiedlich. Alléluia. Amen. Comment tu écoutes Dieu? Wie hörst du Gott? Comment tu sais que ça, c'est la foi du Saint-Esprit? Wie weißt du, das ist die Stimme des Heiligen Geistes? Alléluia. C'est ta soif qui va déterminer comment tu vas commencer à écouter Dieu. Es ist dein Durst, der darüber entscheiden wird, wie du Gott hörst. Je sais comment mon père écoute Dieu. Ich weiß, wie mein Vater Gott hört. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Quand mon père sourit, wenn mein Vater lächelt, il fait ce genre. Je sais que là, ce n'est pas lui. Je sais que pendant qu'il le fait, il est rempli du Saint-Esprit. C'est Dieu qui parle au travers de lui. Voilà pourquoi, chaque fois qu'il le fait, il dit quelque chose. Je lève mes mains, je dis Amen. Alléluia. Parce que j'ai appris à observer mon Père. À cause de la soif, je le regarde faire. Wegen dem Durst habe ich ihn immer angeschaut und ihn betrachtet. Par la grâce de Dieu. Und ich sagte, wenn man ça, Gottes Gnade, Papa Alain. Denke ich, das ist Papa ça, Alain. Pasteur Alain. Und das ist der Pastor Alléluia. Quand il le fait, wenn er das quand tut, il s'arrête un moment, wenn er kurz innehält, je dis, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Dann sage ich mir, das ist der Geist Gottes, der spricht. As-tu soif? Bist du durstig? De recevoir le baptême du Saint-Esprit. Die Taufe des Heiligen Geistes. As-tu soif de connaître le Saint-Esprit? Bist du durstig danach, den Heiligen Geist? Je ne dis pas que j'ai le monopole, que je le connais plus que toute personne ici. Ich sage nicht, dass ich ihn besser kenne als jeden anderen. J'apprends à le connaître. Aber ich lerne ihn. Alléluia! Chaque jour, je lui pose des questions. Jedes Mal stelle ich ihm Fragen, jeden Tag. Et par sa grâce. Und mit seiner Gnade spricht zu mir. Là où nous partons. Dort, wo wir jetzt hingehen. Nous devons avoir la soif. Müssen wir durstig sein. Bien-aimé dans le Seigneur. Meine lieben Geschwister im Herrn, Jésus-Christ rencontre cette femme samaritaine. Jesus Christus begegnet dieser Samariterin. Wow. Cette femme, diese Frau, avait une certaine soif. Sie hatte auch einen gewissen Durst. Alléluia. Amen. Cette femme avait une faim.
Sie war hungrig. Mais sa faim, sa soif, personne ne connaissait cela. Aber niemand kannte ihren Durst und ihren Hunger. Cette femme-là se cachait des autres. Diese Frau hat sich vor den anderen versteckt. Croyez-vous pourquoi elle partait au puits à cette heure-là? Was denkt ihr, warum ging sie genau zu dieser Zeit zum Brunnen? À l'époque. Damals? À l'époque. Damals? Les femmes ne partaient pas au puits à cette heure-là. Gingen die Frauen nicht zu dieser Zeit zum Brunnen, les femmes als sie gegangen ist. Die partaient très tôt. Die Frauen gingen sehr früh am Morgen. Et les hommes aussi ne partaient pas au puits. Und auch die Männer gingen nicht zum Brunnen. Alléluia. Donc elle savait au quel moment. Das bedeutet, sie wusste zu welchem Moment. Elle devait aller au puits. Sie zum Brunnen gehen sollte. Et là, il y avait personne. Sie sagte sich da zu der Zeit, dass niemand dort, der sich über sie lustig machen konnte. Mais elle ne savait pas une chose. Aber sie wusste eine Sache. Wusste celui qui déclenche la soif. Der den Durst erst in Bewegung setzt. Il était en chemin. Der war unterwegs. Ce jour-là, Jésus est venu à rencontrer cette femme. An diesem Tag ist Jesus gekommen und ist dieser Frau begegnet. Was sagt uns die Bibel? Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine, pardon, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aura donné l'eau de vie. Jesus Christus te demande quelque chose. Er fragt dich nach etwas. Il ne te demande pas pour prendre cette chose là. Er bittet dich nicht um etwas, um dir das wegzunehmen. Mais il veut te donner quelque chose. Aber er möchte dir etwas geben. Alléluia. Il veut activer en toi la soif. Er möchte den Durst in dir aktivieren. Il veut que tu puisses le chercher. Er möchte, dass du ihn suchst. Il veut que tu puisses méditer sa parole. Er möchte, dass du über sein Wort nachdenkst. Voilà pourquoi il te demande cette chose. Deshalb bittet er dich um diese Sache. Tu peux pas chanter avec beaucoup d'énergie si tu n'as pas la soif. Du kannst nicht mit viel Energie singen, wenn du keinen Durst hast. Alléluia. Même quand je prêche là. Selbst wenn ich predige. Même dans le secret. Selbst in je m'entraîne aussi avec force. Da bereite ich mich auch vor. Des fois, il y a des moments où je n'ai pas d'inspiration. Es gibt Momente, wo ich keine Inspiration habe. Je dis, Seigneur, inspire mich. Je parle, mais je vois, c'est comme s'il n'y a pas le flow. Ich spreche, aber ich habe so das Gefühl, das fließt nicht. J'arrête. Dann höre ich erstmal auf. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Dann sage ich, Heiliger Geist, was möchtest du? Oh, des fois, c'est une chanson. Manchmal ist es ein Lied. Et pendant que j'écoute ce chant, und während ich das Lied höre, l'inspiration vient en moi. Kommt die Inspiration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De quoi as-tu soif? Wonach bist du durstig? Tu as besoin de toutes ces choses-là. Brauchst du all diese Dinge? Alléluia. Il y a une belle voiture là. Es gibt dort ein schönes Auto. Il y a une belle maison. Ein schönes Haus. On peut faire des vacances de rêve. Da kann man wirklich einen Traum haben. Oh, l'or, nous tous on a besoin d'or. Ja, Gold, wir brauchen alle Gold. La famille. Eine Familie. J'aimerais avoir un bureau comme ça. Alléluia. So ein Büro, wie das dort abgesetzt ist. Ces choses-là ne sont pas mauvaises. Diese Dinge sind nicht schlecht. Alléluia. Car c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Denn das ist ein Segen, den Gott uns gegeben hat. Dieu a dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Gott hat gesagt, wir sind gesegnet mit allen Segnungen in Jesus Christus. Quand Dieu parle de la bénédiction, wenn Gott vom Segen spricht, il voit toutes ces choses. Dann sieht er all diese Dinge. Mais pourquoi il veut que tu puisses avoir soif? Aber warum möchte er, dass du durstig bist? Pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit? Warum brauchst du den Heiligen Geist? Bien-aimé dans le Seigneur. Meine lieben Geschwister, sans le Saint-Esprit, ohne den Heiligen Geist, tu ne peux pas gérer toutes ces choses-là. Kannst du all diese Dinge nicht Alléluia. Erhalten. J'aimerais aider quelqu'un. Ich möchte jemandem helfen. Sans le Saint-Esprit, ohne den Heiligen dans Geist, la richesse, im Reichtum, tu vas redevenir païen. Wirst du wieder ungläubig werden. Sans le Saint-Esprit, ohne den Heiligen Geist, quand on sera en train de t'appeler chef ou boss, wenn man dich Chef nennt oder Boss, Alléluia.
Tu commenceras à faire ceci. Dann wirst du anfangen, so zu gucken. Oh, moi, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Und dann sagst du, ja, ich habe Leute, die für mich arbeiten. Mais quand tu as le Saint-Esprit, aber wenn du den Heiligen Geist hast, dann wirst du demütig sein. Tu auras la compassion. Dann wirst du tu auras l'amour même de ceux-là qui travaillent pour toi. Du wirst sogar Liebe empfinden für diejenigen, die für dich arbeiten. Je bénis Dieu pour les vacances qu'on a passées à Kinshasa. Ich segne den Herrn für diesen Urlaub, den wir on était dans un très bel appartement. Wir waren in einer sehr, sehr schönen Wohnung. Il y avait des gens qui préparaient pour nous. Und es gab Leute, die für uns gekocht haben. Il y avait des gens qui pouvaient tenir nos sacs. Es gab sogar Leute, die unsere Taschen gehalten haben. Mais je dis, non. Aber ich sagte immer, nein, bitte nicht. On m'a vu faire laver, hein, les assiettes. Man hat mich gesehen, wie ich Teller gewaschen habe. Alors, il y avait des gens qui ont payé pour faire cela. Obwohl es Leute gab, die man dafür bezahlt hat, damit je dis, non, je ne veux pas attendre que ces personnes viennent. Ich sagte, nein, ich werde nicht warten, dass diese Person kommt. Je peux faciliter le travail à ces personnes. Ich kann dieser Person die Arbeit auch erleichtern. Alléluia. Et tu voyais le sourire, la joie de ces femmes-là. Und dann sah man wirklich das Lächeln und die Freude von diesen Frauen. Quand elles arrivaient le matin. Als sie morgens kamen. Dis, non, non, c'est bon, tu ne fais pas. Und dann sagte man ihr, nein, das brauchst du nicht zu machen, das ist schon erledigt. Dann hat sie sich gesagt, aber wenn du den Heiligen Geist nicht in dir hast, dann hättest du sagen können, ja, ich bezahle dich doch dafür. De quoi as-tu soif? Wonach bist du durstig? La femme Samaritaine avait une soif. Die Samariterin hatte einen Durst in sich. Et Jésus l'a emmené à avoir soif de l'eau que Jésus lui avait donnée. Und Jesus brachte sie dazu, dass sie durstig danach wurde, dass sie Jesus lieben konnte. Jesus sagte, du weißt nicht, wer vor dir steht. Du weißt nicht, was für eine Gnade wir haben, wir, die den Heiligen Geist haben. Wisst ihr, sogar für die Geburt von Jesus Christus musste er den Heiligen Geist pour que nous puissions avoir un Messie, damit wir einen Messias bekommen konnten. Fallait que Dieu puisse engager le Saint-Esprit. Musste Gott den Heiligen Geist wirken lassen. Je ne sais pas, peut-être que tu ne comprends pas encore. Ich denke, ich weiß nicht, ob du es verstehst. La grâce que nous avons d'avoir le Saint-Esprit. Welche Gnade es ist für uns, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Il y a des choses qu'on n'a pas appris à l'école. Es gibt Dinge, die wir nicht in der Schule gelernt haben. Mais le Saint-Esprit nous souffle cela à l'oreille. Aber der Heilige Geist flüstert uns das ins Ohr. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Meine lieben Geschwister im Herrn. Développe ta soif. Entwickle deinen Durst. Les choses que je suis en train de dire là. Die Dinge, die ich hier sage. Il y a longtemps que le Saint-Esprit avait changé le message, les choses que j'ai écrit. Da hatte der Heilige Geist schon die Botschaft, die ich aufgeschrieben hatte. Ce n'est pas les choses que j'ai écrit. Das sind nicht Dinge, die ich aufgeschrieben habe. Mais j'écoute ce qu'il est en train de me dire. Aber ich höre